Bande konabiso balandi ya chaîne Kika Sport TV lisusu na province ecclésiastique monene ya Grand Kivu tozo kita sur terrain to kende tozo na nzela ya kende na chiriri kozwa bilili na épée de la promesse de la promesse eza institut moko ya conventionné de l'ebenem ya ngoto kende kuna kozwa bilili pona ko telisa mosala oyo monene Motinda mina yawe dizole le mpungu wa fidu soa Isaac asili kotika. Bandugu yangu ba kasesist, ba fidele yetu, telespectateur, muendele kutufatilia apa tuko munjia, tunaelekea Chiriri, ambapo tulikia kukamata ma image mbali mbali, kukazi kubwa ambayo yuko napitikana kwa hii province ecclesiastique munene ya Grand Kivu, na kwa hiyo mutaona ma image, tunakia kamata ma image ku école de la promesse ni école kabambi inapatikana pa Chiriri précisément mu ville ya Bukavu ambapo mtatufuatilia bakasisist vraiment mko attentif kufuatilia chaîne yetu Kikas Pro TV. Fidèle téléspectateur de la chaîne Kikas Pro TV, notre joie est vraiment énorme comme vous continuez à suivre nos activités ici dans la province ecclésiastique de l'église Bon Nouveau Message KCC. Aujourd'hui, nous allons vous faire vivre l'aventure pas comme les autres. Nous allons nous diriger à l'école primaire de la promesse, école conventionnée de l'église Bon Nouveau Message KCC. Vraiment, c'est une grande œuvre. C'est une grande œuvre vraiment qui est dite au nom de l'Église. Alors, je vous demande de rester concentré, je vous demande de rester vraiment à l'abri de toutes les activités qui vont se dérouler. Vous allez vivre un moment vraiment exceptionnel. Nous sommes en compagnie du grand réalisateur, monsieur Herman Mwimba H. Nous sommes en train vraiment de remercier pour les images qu'il est en train de relater ici. Si vous pouvez nous contacter, contactez-nous au plus 243 89 59 71 753 ou au plus 243 97 602 47 89. Kikas Pro TV. Encore une fois, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Et je pense que d'aucuns vont se poser la question, pourquoi ceci? Pourquoi ce rassemblement improvisé? Pourquoi vous étiez déjà à l'intérieur de vos salles, mais d'un coup, nous vous y dégageons? C'est un programme purement spécial. Et ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un programme qui a été prévu depuis le début de la semaine passée. C'est un journaliste de la grande famille médiatique Kikas Pro TV. Il est kasesiste, donc il est de l'Ebenem. Il vient s'enquérir de la situation de notre école épée de la promesse parce que la grande chaîne est située au Canada, je pense. Au Canada, c'est ça la résidence la plus générale et particulière de la grande chaîne Kikas Pro TV. Ils ont appris que nous avons une grande école, l'épée de la promesse. Ils ont diligenté une équipe pour venir voir si réellement cette école existe. Ils sont venus voir comment fonctionne cette école, quels sont les effectifs de notre école, quel est le personnel qui encadre vous qui êtes nos futurs dirigeants, vous qui êtes les futurs dirigeants de notre pays, c'est le pourquoi de leur présence ici. Et nous vous prions de les acclamer avec vos applaudissements. Applaudissez d'abord pour nos visiteurs. Hey, maman. Et donc, nous avons tout intérêt à suivre tout ce que vont faire ces gens. Nous allons rester assidus, polis, orientons-nous selon qu'on va nous orienter. Faisons tout ce qu'on va nous demander de faire,
ne faisons pas ce qu'on ne nous demande pas de faire. Ils vont filmer, ils vont constater les conditions dans lesquelles vous travaillez, dans lesquelles vous étudiez, dans vos locaux. Si c'est déplorable, ils vont les constater et on ne sait jamais. Ils peuvent mener des plaidoyers, ils peuvent expédier partout les images de notre école pour qu'un jour, demain ou après-demain, on peut trouver un bailleur de fonds qui va venir soulager, aider tant soit peu et apporter du tonus dans notre école. Et donc, si tu es ciblé parmi les élèves qui seront interviewés, garde ton sang-froid, on ne mettra pas les couteaux sous ta gorge. Ce sont de petites questions qu'on va te poser sur le fonctionnement, sur l'existence, sur vraiment toutes les actualités de notre école. Et en ce sens, il va falloir que tu sois seulement assidu, que tu sois seulement posé, sans complexe aucun, parce que là, il s'agit d'un petit exercice purement intellectuel. Aux enseignants, de nous aider toujours à encadrer ces enfants, à les orienter au sens, à ne pas déraper ou soit dérailler, pour que le séjour, pour que l'exercice de ces gens se fasse en bon et due terme. Nous disons donc merci pour la ponctualité, pour l'assiduité de tout un chacun. Également merci à nos visiteurs qui nous portent au fond de leur cœur et qui ont accepté venir nous tenir compagnie, venir nous aider, venir nous accompagner, venir recueillir les larmes que nous avons pour essayer un peu d'expédier les problèmes de l'épée de la promesse partout dans le monde et voir comment l'Éternel peut passer par eux pour que nous ayons ouf de soulagement. En place, répond. Oui. Gardez-vous. Oui. En place, répond. Oui. Gardez-vous. Oui. Épée de la promesse, toujours. Oui. Tête. Trois, c'est sur la tête. Quatre aux épaules. Cinq aux hanches. Six latérales. Fixe. En avant, une. En haut, deux. Sur la tête, trois. Aux épaules, quatre. Aux hanches, cinq. Bras latéral, six. Fixe. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. En se ripartez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Dernière fois, 3. En place, répond. Oui. Gardez-vous. En place, répond. Oui. Bras en avant, 1. En haut. Latéral. Fixe, en avant, en haut, latéral, fixe, en avant, en haut, latéral, fixe, en avant, en haut, latéral, fixe. Bras en avant, une, en haut, latéral, fixe, en avant, en haut, latéral, fixe. Plus nous préparons également les leaders des devises. Les leaders pour chaque classe, préparez-vous pour scander les devises respectives. En série partez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dernière fois, 3. En place, répond. Gardez-vous. En place, répond. Gardez-vous. Sois souple. Il est le leader de tous les leaders. Ça va? Arrange ta chemise. C'est lui le leader. Il est le leader. Épée de la promesse, toujours. On commence par la deuxième année A. C'est parti. Ah!
Répondez-moi aussi. Hein. Épée de la promesse, toujours. Vous avez deux. Je veux huit. Épée de la promesse, toujours. En place, réponds. Oui. Gardez-vous. Toi. Riez un peu, je vais voir comment vous riez. Moucheke nione. Ah, voilà. Nye, nye, nye. Croisez les bras. Que personne ne parle plus. Nous disons donc merci à vous tous. Vous allez respecter les orientations de vos enseignants et un à un, nous allons entrer en classe. Épée de la promesse, toujours. Croisez les bras. Deuxième, entrée. Fidèles auditeurs de la chaîne Kigas Pro TV, nous sommes déjà ici à l'école primaire de la Promesse. Comme vous voyez devant nous, nous avons les élèves, nous avons aussi certaines autorités de l'école qui sont venues nous assister pour cette activité que nous allons, pouvoir effectuer ici au sein de l'école primaire de la Promesse. Alors, je vais pouvoir vous présenter les élèves avec qui nous sommes ici à l'école. Les amis, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Très bien. Alors, nous allons un peu chanter. Nous allons chanter ici pour que les téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV qui sont en train de nous suivre puissent entendre que réellement, c'est une école conventionnée de l'église Bon Nouveau Message KCC. N'est-ce pas les amis? Oui. Très bien. Si c'est né Yahweh, nous ne serions protégés. Si c'est né Yahweh, nous ne serions protégés. Tapez les mains. Si c'est né Yahweh, nous ne serions protégés. Tapez. Si c'est né Yahweh, nous ne serions jamais.
chanter. Si c'est né, ah ouais, nous ne serons protégés. T'appelles, Anna? Levez-vous, dansez. Oh, éternel mon Dieu. Dansez. Faut danser. Kangama, oh éternel mon Dieu. Ici, je suis avec les apprenants de l'école primaire de La Promesse. Nous allons
décortiquer avec eux un sujet que vous allez suivre ici attentivement. Je vous demande de rester connecté, rester concentré. Soyez toujours là pour suivre la chaîne Kikas Pro TV. Vraiment, vous ne serez pas dessus. Ici, nous allons pouvoir commencer avec les enfants, mais je vais vous demander de liker notre vidéo, je vais vous demander d'aimer, je vais vous demander de commenter la vidéo parce que vous allez vivre un moment exceptionnel, un moment pas comme les autres. Déjà, nous avons ici présent les enfants qui ont été choisis pour passer cette interview, pour répondre à nos questions, pour répondre aux questions de la chaîne Kikas Pro TV, pour que les fidèles kassessistes qui sont en train de nous suivre puissent entendre comment les choses se déroulent au sein de l'école primaire de La Promesse. Tu peux te présenter, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV? Tu peux nous dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Honor de Horuchi Liongwa. J'étudie à l'épée de la Promesse. Je fais la sixième année. Très bien. Ici, nous avons l'élève Horuchi Liongwa qui fait la sixième année ici à l'épée de la Promesse. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de l'épée de la Promesse? L'épée de la Promesse est une école conventionnelle de l'EBNM KCC. Ouais. Créée depuis 2016 dans la ville de Bukavu. Très bien. Vous comprenez avec moi que l'épée de la Promesse a été créée ici dans la ville de Bukavu depuis l'année 2016. Est-ce que, monsieur Orutiri, tu peux nous situer géographiquement l'épée de la Promesse? Géographiquement, l'épée de la Promesse est située au nord de la ville de Bukavu, précisément dans la commune de Bagira, quartier Chiriri, avenue Boulenga. Les amis, vous avez suivi ce qu'il a dit? Oui. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup, notre ami Orutiri. Alors, nous allons pouvoir continuer avec les amis ici. Et ma deuxième question est adressée à notre frère ici. Messieurs, vous pouvez prendre les micros. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant les auditeurs et les téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV? Comment vous vous appelez? Je réponds au nom de Mugisho Irenge. Je suis un élève de la 5e année B. J'étudie à l'épée de la Promesse. Très bien, vous avez suivi. C'est un élève aussi qui étudie à l'épée de la Promesse. Monsieur, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'état de nos salles de classe ici à l'épée de la Promesse? Comment vous étudiez dans des conditions favorables? Est-ce que tu peux nous dire comment sont les salles de classe ici dans notre école, l'épée de la Promesse? Nos salles de classe sont en mauvais état. Ouais. Les murs, la toiture, les pupitres nécessitent la réhabilitation. Les amis, vous avez suivi ce qu'il a dit? Oui. Ah, vous devez l'acclamer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si vous comprenez très bien, notre ami ici vient nous dire que les salles de classe où ils sont en train d'étudier, vraiment, ce sont des salles de classe vraiment qui ne remplissent pas les normes. Donc, ce sont des salles de classe qui nécessitent la réhabilitation. Donc, c'est MSA, c'est NSOS qui lance. C'est NSOS qui lance vraiment aux autorités de l'EBNM pour qu'ils puissent venir en aide l'école primaire de la Promesse selon son allocution. Vous l'avez suivi avec moi. Donc, il demande que les salles de classe soient un peu réhabilitées pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Merci, notre cher Mugisho. Nous allons pouvoir adresser une nouvelle question à notre sœur ici qui va se présenter. Serrez un peu ici. Non, celle-ci. Bon, merci beaucoup, mademoiselle. Bonjour. Oui, bonjour. Tu peux te présenter aux téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV. Je réponds au nom de Bilouge Kidjana. J'étudie à l'épée de la Promesse et je suis un enfant de la 5e année B. Très bien. Donc, elle aussi, c'est une élève de l'épée de la Promesse. Elle nous dit qu'elle fait la 5e année primaire B. Alors,
Mademoiselle Bilougue, est-ce que tu peux nous dire, vous avez dit que c'est une école conventionnée de l'Ebenem, selon notre ami qui a commencé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous payez les enseignants ici? Et si vous les payez, comment vous les payez? Nous ne payons pas. Vous ne payez pas les enseignants? Oui. Alors, qui paye les enseignants? Comment vous étudiez alors? Qui paye les enseignants ici? C'est le gouvernement congolais qui paye nos enseignants. Donc, c'est le gouvernement congolais. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Merci, 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 merci beaucoup. Donc, ce qu'elle nous dit ici, Bilougue nous dit que ici, les parents ne payent pas les enseignants parce que c'est une école qui est prise en charge par le gouvernement congolais. Donc, c'est une école vraiment qui respecte l'effectivité de la gratuité de l'enseignement tel que je l'ai suivi. Donc, ici, nous pouvons féliciter les directeurs, les bureaux gestionnaires et les enseignants parce qu'ils ne sont pas en train de déraper, ils sont en train d'observer toujours la gratuité de l'enseignement comme elle a été prônée par le chef de l'État, que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors les amis, on continue avec notre série de questions. Vous avez parlé déjà de l'école, mais est-ce que vous avez dit que c'est l'école de l'Ebenem? Nous voulons maintenant savoir le dirigeant actuel de l'église Bon Nouveau Message. Est-ce que vous le connaissez? Pouvez-vous vous présenter d'abord? Le nom, c'est qui? Je réponds au nom de Mungui Koyongwa. Je suis dit à l'épée de la promesse. Je suis un élève de la 6e année A. Très bien. Nous avons une nouvelle élève de la 6e année A appelée Munguiko. Alors, mademoiselle Munguiko, la question vous a été posée déjà. Est-ce que vous connaissez les dirigeants actuels de l'église Bon Nouveau Message KCC? Le dirigeant actuel de l'église Bon Nouveau Message KCC s'appelle, c'est le premier souverain pontife, ouais. Son Excellence, c'est le premier souverain pontife, ouais. Son Excellence, c'est Désolé Limpungu Isaac. Très bien, elle l'appelle Son Excellence, ça vraiment c'est exceptionnel. L'enfant appelle Son Éminence Désolé Limpungu Isaac, le chef de l'église, elle la qualifie en excellence. Vraiment, ses enfants sont vraiment très bien formés, très bien éduqués. Elle reconnaît l'excellence que regorge le premier souverain pontife, l'actuel chef de l'église Bon Nouveau Message KCC. Alors, tu nous parles du premier souverain pontife Désolé Limpungu Isaac. Est-ce que par hasard, il a un jour été ici dans la ville de Bukavu? Non, nous avons besoin de le voir. Ouais. Nous avons besoin de le voir. Ouais. Nous avons besoin d'une assistance. Ah. Qu'il vienne nous aider ici. Nous avons besoin d'une bonne école pour la fierté de l'Ebenem. Très bien, est-ce que vous pouvez l'acclamer? Vraiment, son allocution est vraiment exceptionnelle. Elle nous dit qu'elle n'a jamais vu le premier souverain pontife, mais elle le connaît très bien. Et là, elle a lancé directement une demande. Elle demande que le premier souverain pontife puisse venir. C'est selon elle, elle veut voir le premier souverain pontife. Vraiment, ça, c'est exceptionnel. Elle veut voir le premier souverain pontife. Elle veut que le premier souverain pontife puisse venir ici assister les enfants à l'école, les voir, parler aux enfants, pour qu'ils puissent aussi voir comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'émergence de l'école. Mademoiselle, vraiment, je te remercie, vraiment. Je suis très, très ravi de ce que tu viens de nous dire ici. Alors, notre ami, est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport à la présence du journaliste de la chaîne Kikas Pro TV qui est venu de très loin là pour seulement visiter l'épée de la promesse? Est-ce que réellement tu peux nous dire comment tu juges sa présence ici? Comment? Nous sommes ravis, très ravis encore. Ouais. En tout cas, vous êtes le plus meilleur journaliste. Merci beaucoup, vous avez suivi très bien. Notre ami nous dit que il est très très ravi de la présence de la chaîne Kikas Pro TV représentée ici
par les journalistes, il les qualifie de meilleurs journalistes. Donc, il connaît beaucoup de journalistes ici dans la ville de Bukavu, mais il nous dit ici que les journalistes de la chaîne Kikas Pro TV, c'est le meilleur des journalistes. Selon ce qu'il a dit ici, messieurs les journalistes, Herman Mwimba H Concept, donc c'est le meilleur. Lui, il l'a trouvé comme le meilleur journaliste et il nous dit que vraiment, il le félicite pour son courage, pour son attachement à l'école primaire de La Promesse. Alors, mademoiselle, tu peux te présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler du fondateur? Parce que vous avez parlé du dirigeant actuel de l'EBNM, le chef de l'église. Mais est-ce que vous connaissez le fondateur de l'église Bon Nouveau Message? Qui avait créé l'EBNM? C'est qui? Comment on l'appelle? Le fondateur de l'EBNM s'appelle Mpungu Afudusa Isaac. Mpungu Afudusa Isaac, c'était qui? C'était un journaliste comme le journaliste Herman Mwimba. C'était un enseignant. C'était qui? C'est le prophète d'Isolel. Le prophète d'Isolel, très bien. Donc ici, nous venons d'entendre que le prophète d'Isolel, c'est lui le fondateur de l'église Bon Nouveau Message KCC. Mais est-ce que tu peux nous donner la date de la création de l'église Bon Nouveau Message KCC? L'EBNM a été créé le 8 mars 1955. Très bien, l'EBNM a été créé, mais ça c'est vraiment une chose à applaudir. Les amis, applaudissez fort! Vous allez répondre à des petites questions qui vous seront posées. Et voici la première question. C'est une question piège. C'est une question piège. Les amis, regagnez vos places, revenez à vos places. Les amis, vous allez répondre à une petite question. Ce n'est même pas une petite question. Ce sont des petites questions pièges. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez dit que vous étudiez dans une école de l'EBNM, n'est-ce pas ça les amis? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, seulement le nom de la maman qui avait mis au monde le prophète d'Isolel Mpungu Afudusa Isaac. Vous me donnez seulement le nom de cette jolie dame qui avait mis au monde le prophète d'Isolel Mpungu Afudusa Isaac. Oui. À vous le micro. Tu peux nous donner le nom de la maman? Le nom de la mère du prophète d'Isolel. Le nom de la mère du prophète d'Isolel, oui, s'appelle Zunzi Marie. Wow, mais c'est exceptionnel, vous l'acclamez. Oh, vraiment. Nous continuons l'activité que nous sommes en train d'effectuer ici au sein de l'école Épée de la Promesse. L'école de l'église Bon Nouveau Message KCC, ici dans la ville de Bukavu. Alors, nous allons continuer notre balade ici. Nous allons pouvoir tendre le micro à la maîtresse parce que vous avez déjà suivi les enfants. Et les enfants sont encadrés par les enseignants. Alors, vous allez suivre les enseignants maintenant. Et nous commençons avec la maîtresse qui est ici devant nous. Elle va pouvoir se présenter. Mademoiselle la maîtresse, bonjour. Oui, bonjour. Oh, je m'excuse, vous êtes madame la maîtresse. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV? Je réponds au nom de Achouza Yongo Amina. Ouais. Je suis une enseignante à l'Épée de la Promesse. Ouais. J'encadre les élèves de la 5e année A. Très bien, vous suivez, c'est une maîtresse qui encadre la classe de la 5e année, ah, donc c'est une formatrice des générations. Alors, mademoiselle, est-ce que tu peux nous parler de l'école primaire de La Promesse? Comment tu trouves, comment se déroulent les activités au sein de l'école primaire de La Promesse où vous œuvrez? Merci beaucoup pour la parole. Ouais. L'Épée de La Promesse évolue bien. Les activités commencent à 7h30. Et se termine à 12h30.
Très bien. Donc, vous dites que toutes les classes, parce que nous avons vu beaucoup d'élèves ici, nous avons vu beaucoup d'élèves. Est-ce que tous ces élèves œuvrent dans la même vacation? Est-ce que réellement vous avez des locaux qui suffisent pour l'encadrement de tous ces élèves? Vraiment, nous avons des locaux qui ne suffisent pas à tous ces élèves-là. Oui. Les uns font la vacation avant midi, ouais, et les autres font la vacation après midi. Très bien. Donc, vous avez compris que certains font la vacation matin, d'autres font la vacation soir, faute d'infrastructures. Donc, les locaux sont insuffisants, comme la maîtresse vient de nous le dire ici. Alors, mademoiselle la maîtresse, qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités de l'église par rapport à la façon dont vous travaillez ici, par rapport aux conditions dans lesquelles vous œuvrez ici? Qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités de l'église pour l'émergence de l'école? Vraiment, nous supplions les autorités de l'église, oui, qu'ils nous viennent en aide, oui, parce que nous avons besoin de ces 7 heures-là. Oui. Nous avons des classes-là qui ne sont pas bien construites. D'abord, ils ne sont pas d'abord en bon état. Oui. S'ils viennent nous aider, en tout cas, nous pouvons être contents, très contents encore. Qu'ils nous viennent en aide. Ouais. Vraiment, nous demandons cette aide-là. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez suivi, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques impressions par rapport à la présence de la chaîne Kikas Pro TV qui est présente ici, sur terrain? Ils sont venus de loin, très, très loin. Nous sommes venus de loin, vraiment. Nous sommes venus ici juste pour l'épée de la promesse. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport à notre présence ici au sein de l'école primaire de la promesse? Par rapport à la présence des journalistes, oui, en tout cas, nous disons d'abord merci à l'Éternel Dieu, oui, qui les a conduits. Ils ont venu de loin jusqu'ici à Bukavu, mais en tout cas, nous disons merci à l'Éternel. Oui. Et nous disons aussi merci aux journalistes qui viennent de nous assister aujourd'hui. Oui. On peut dire que c'était la grâce de l'Éternel, ouais, c'est par la grâce. Ouais. Il a vu nos doléances, ouais, il a vu ce que nous avons besoin, ouais, c'est pour cela qu'il a envoyé ici les journalistes, qu'ils viennent écouter ce que nous avons besoin et que nous demandons aussi que les téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV qui nous suivent, ouais, qu'ils soient aussi, en tout cas, qu'il ait aussi le cœur là de nous aider. En tout cas, nous avons besoin de leurs aides. Merci beaucoup. Madame la maîtresse, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et bonne suite des activités ici au sein de l'école de la promesse. Je vous remercie. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous continuons notre balade, notre série de questions et nous allons pouvoir accueillir un papa, un vieux sage, un enseignant aussi au sein de l'école de la promesse. Il va se présenter ici devant. Nous allons pouvoir lui tendre le micro. Bonjour papa. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter devant la caméra. Vous pouvez vous présenter devant les humbles et les fidèles téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV. Comment vous vous appelez? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Kabene Kazinera Jean-Jacques, enseignant à l'épée de la promesse, titulaire de 6e année A. Très bien, merci beaucoup. Vous avez suivi, c'est les doyens, les titulaires de la 6e année A qui est ici devant nous. Alors, messieurs les maîtres, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation qui se passe ici au sein de l'école? Comment vous travaillez, comment vous œuvrez ici au sein de l'école l'épée de la promesse? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. D'emblée, je m'en vais vous dire que l'épée de la promesse est vraiment une école qui est en train d'émerger suite à son équipe dirigeante, ouais, que j'estime être encore trop jeune, ouais, par rapport à moi qui suis devant vous ici, messieurs les journalistes. Ouais. 32 ans durant de carrière, ouais, je ne presté autre part où j'ai trouvé une équipe, un personnel aussi jeune, ouais, comme celui que j'ai trouvé ici. Ouais. Et donc, le travail va très bien. Ouais. Une discipline s'observe de la part du personnel et des enseignants. Ouais. Les enseignements
se déroule très très bien ici, oui. Comme vous l'avez, comme mes prédécesseurs l'ont signifié ici devant vous, oui. Il y a deux vacations. Il y a la vacation soir et la vacation jour. Oui. Mais dans l'ensemble, les activités vont très 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 bien. Merci beaucoup. Vous avez très bien suivi ici. Alors, est-ce que comment vous pouvez nous dire, vous pouvez nous expliquer un peu bien. Vous dites que vous œuvrez à double vacation. Oui. Et quand je vois ici, pendant la saison sèche, nous sommes pendant la saison sèche ici, il y a la poussière, il y a vraiment le soleil accablant. Alors, comment ils œuvrent, ces enfants-là qui travaillent pendant la vacation soir et les enseignants qui les encadrent pendant cette vacation, vraiment, comment ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent vraiment à l'aise de travailler dans ces conditions-là? Messieurs les journalistes, comme vous le savez, nous sommes dans une période chaude pendant la saison sèche. Les dirigeants de l'école, le directeur et son adjoint, ils ont un peu réajusté l'horaire pour que les heures-là d'après-midi soient un peu décalées de manière que les enfants viennent un peu avant le temps prévu pour les aider au moins à récupérer le temps où on estime qu'il y a encore un peu de fraîcheur et pour qu'il termine dans la soirée peu avant 17h30 comme l'heure de sortie. Oui. C'est ainsi que les enfants, et des fois ils ne se recréent pas faute de la chaleur et de la poussière, oui. Comme c'est la saison sèche à Bukavu, oui. De tout le monde, de partout ailleurs on connaît Bukavu avec la poussière, oui. On estime laisser les enfants en classe et les laisser partir une fois pour toutes, juste, ils consomment leurs 15 minutes de récréation en classe au lieu d'aller se salir à l'extérieur. Ainsi, ils partent un peu avant l'heure prévue, ouais. Comme d'accoutumée. Voilà un peu. Oui, merci beaucoup. Si je vous ai très bien suivi, c'est-à-dire que la condition dans laquelle les enfants sont en train d'étudier vraiment n'est pas vraiment favorable. Quand vous dites que vous avez déjà supprimé même l'étape de la récréation, et pourtant la récréation est vraiment très nécessaire pour l'apprentissage de ces enfants. Alors quand je comprends que vous avez déjà supprimé la récréation, c'est-à-dire que déjà c'est un peu compliqué. Hein? Alors, ce que je voulais demander ici, oui. Comment sont les locaux, les salles de classe? Est-ce que vraiment les enfants conviennent dans les salles de classe? Comment ils étudient là-bas? Comment? Bon, messieurs les journalistes, vous aurez aussi à le constater. Hein, le classe, bon, en tout cas, nécessite des réhabilitations. Hein. Oui. Ça nécessite des réhabilitations en ce sens que, bon, vous voyez que les écoles... Les écoles aujourd'hui, les écoles publiques, l'État nous demande de prendre plus les enfants que nous n'avons même pas de capacité d'accueil. Oui. Et donc, nous sommes contraints, nous sommes dans certaines obligations vis-à-vis par rapport à l'État qui nous donne ce petit salaire-là. Oui. Et pour que nous encadrions ces enfants, il faut tout prendre. Donc, oui. Les nombres... Nous essayons de dépasser largement le nombre d'enfants, bien que les salles soient trop exiguës, soient un peu moins vastes. Oui. Mais nous les entassons, comme vous allez le constater, dans les salles de classe. Oui. Et nous demanderions vraiment aux autorités, nous demanderions à tout le monde qui nous suit vraiment de nous venir en aide. Sinon, oui. La situation n'est pas facile. Et c'est presque dans toutes les écoles publiques, parce que là, avec la gratuité de l'enseignement, on ne sait plus laisser les enfants dans la rue. Voilà un peu pourquoi les classes sont très... les salles, bien que les salles soient petites, mais les nombres, les effectifs sont trop élevés. Voilà un peu, en bref, comment s'explique la situation des classes par rapport aux enfants que nous avons en classe. Merci beaucoup. Je vous pose la toute dernière question. Vous avez parlé des salaires. Vraiment, c'est une chose qui fait du bien. Hein? Quand vous travaillez, vous touchez aussi votre salaire. Bon, c'est très bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer au moins, oui. Parce que je ne sais pas si l'école a une coordination, je crois que l'école n'a pas une coordination ici, mais qui s'implique au moins, qui s'implique dans les affaires de l'école ici pour que
que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a une autorité ici au niveau provincial qui s'implique pour le bon déroulement des activités au sein des écoles de l'EBNM ici? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ici en province, c'est vrai, il n'y a pas de coordination des écoles de l'EBNM, mais une chose est vraie, nous sommes gérés en province ici d'une façon locale par le chargé des écoles, à la personne du révérend apôtre Kabeabea, le révérend apôtre provincial. C'est bien lui qui est le chargé des écoles et qui supervise tous les mouvements, toutes les actions, tous les problèmes que nous connaissons ici localement. Comment vous les trouvez selon les luttes qu'ils mènent pour votre intérêt? Papa, messieurs les journalistes, le révérend apôtre provincial n'est pas aussi moindre dans ce domaine parce qu'il s'est battu, il s'est démené pour que les écoles soient d'abord ce qu'elles sont aujourd'hui. Depuis que les écoles travaillaient sous le statut de privé, le responsable s'est beaucoup démené pour que le statut privé passe à la mécanisation. Donc, toutes les écoles primaires, à l'intérieur comme ici en ville, ont été finalement mécanisées et payées. C'est grâce aux efforts propres du révérend apôtre provincial à qui nous disons grand merci pour le courage et la bravoure qu'il a eu malgré de nombreuses responsabilités au sein de l'Église. Mais il s'était aussi imposé, s'était aussi impliqué dans les démarches de l'école et cela vraiment nous a fait du bien jusqu'à ce que nous avons été aussi payés comme tant d'autres écoles de l'État. Merci beaucoup, vraiment nous sommes très très ravis que vous ayez répondu à nos questions. Est-ce que vous pouvez nous donner maintenant les impressions par rapport à la présence de la chaîne Kikas Pro TV ici au sein de l'école Épée de la Promesse? Merci beaucoup messieurs les journalistes, les impressions sont très très bonnes. De façon qu'on ne s'y attendait pas, c'est une fois dans l'histoire des écoles de l'EBNM ici en province du Sud Kivu. Et puis 2000 kilomètres qui nous séparent de Kinshasa, d'où le journaliste est venu. En tout cas, ce n'est pas facile, il est à féliciter, il est à encourager. Nous le remettons d'ailleurs entre les mains de l'Éternel parce que pour qu'il lui donne force et courage de sillonner encore partout où il n'est pas encore passé, partout où il n'est pas encore arrivé, pour qu'il fasse les mêmes activités, que nos écoles soient aussi connues dans le monde. Et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, merci beaucoup, messieurs les maîtres. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions. Vraiment, la chaîne vous remercie. C'est moi qui vous remercie, merci les journalistes. Merci beaucoup. Est-ce que, monsieur le directeur, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Luce Banderire, Kabasele Ampanimande. C'est ça mon nom, je suis le directeur de l'Épée de la Promesse. Merci beaucoup, messieurs les directeurs. Vous avez suivi, tout le monde a suivi très bien votre présentation. Alors, est-ce que tu peux nous parler brièvement des activités qui se déroulent ici au sein de votre école? Comment vous gérez l'école? Vous gérez une grande école ici. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe au moins? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, l'Épée de la Promesse, c'est une école conventionnée de l'EBNM. C'est une deuxième grande école au niveau de l'entité, une école qui compte plus de 1000 quelque chose des élèves. Vous devez comprendre quand même que c'est une grande école, avec le personnel très jeune aussi, l'Épée de la Promesse qui compte 14 classes. Et dans ces 14 classes, donc, nous avons 15 enseignants, plus les deux dirigeants qui font alors 17 personnels au sein de l'Épée de la Promesse. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est une grande école, vraiment, j'entends, avec un personnel de 15 enseignants et le directeur et son adjoint, c'est une grande école. Alors, comment vous œuvrez dans la gratuité, comme les enfants l'ont dit? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait du petit rien que vous gagnez de l'État? Est-ce que vous avez d'autres intentions
pour que vous ayez au moins quelque chose. Normalement, comme vous venez de le dire, ouais, l'épée de la promesse d'abord devait commencer par l'historique de l'école. Ouais. L'épée de la promesse a commencé en 2009, c'est là qu'on nous a accordé l'arrêté. Ouais. Mais ici, dans la paroisse de Chiriri, l'épée de la promesse, c'était en 2016. Oui. Et aujourd'hui, les tout premiers de nos élèves qui ont commencé ici chez nous, ils présentent l'examen d'État aujourd'hui. Oui. Ils font la sixième année. Donc, vous comprenez que l'école est en train de grandir au fur et à mesure. Effectivement. Alors, par rapport à notre salaire, oui, nous avions commencé d'abord en privé, oui. Mais les dirigeants de l'église se sont donné corps et âme. Ils se sont démenés par-ci, par-là. Oui. Et jusqu'à ce que le gouvernement congolais a trouvé que l'épée de la promesse, c'est une grande école. Ouais. On ne devrait pas laisser aussi les enseignants comme ça. Ouais. Et là, en 2019, l'école a été payée. Ouais. Même si nous continuons toujours à réclamer parce que les salaires vraiment n'arrivent pas même à satisfaire nos besoins. Ouais. Nous pouvons peut-être demander à notre gouvernement d'augmenter toujours les salaires pour que nous puissions quand même être aussi bien encadrés. Parce que lorsque les enseignants sont bien encadrés, ils doivent aussi bien encadrer aussi les élèves. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous rappelle que le coordinateur national des essais EBNM est en train de vous suivre ici. Il va vous suivre en direct sur la chaîne Kikas Pro TV parce que c'est un homme qui adore vraiment la chaîne Kikas Pro TV. Alors, est-ce que tu as vraiment un message que tu lances au coordinateur national des écoles de l'EBNM? Est-ce que tu as un message que tu lances? Normalement, on ne peut pas manquer les messages à lancer parce que quand vous arrivez à l'épée de la promesse, vous allez trouver, il y a une classe où il y a 100 élèves, il y a 80, il y a 90. Donc, vous comprenez que l'école a besoin toujours d'augmentation, toujours des salles de classe. Oui. Et quand on ajoute les classes, on doit toujours ajouter aussi les personnels. Oui. Mais aussi, nous devons toujours demander à notre coordinateur, l'apôtre Fita, oui, de continuer toujours à mener toujours les démarches pour que l'école, peut-être on puisse aussi trouver même, et comment dirais-je, les fonds au niveau du fonds social et pourquoi pas du gouvernement congolais, pour reconstruire aussi notre école, parce que quand vous avez suivi les enseignants qui ont demandé qu'on réhabilite l'école, nous ne pouvons pas demander qu'on réhabilite parce qu'on n'a jamais construit l'épée de la promesse. L'épée de la promesse a été d'abord construite par les fonds propres du fidèle de l'église. Chacun a amené des planches, des sticks et autres choses. On a essayé de faire un petit rien comme ça. Et que donc, nous demandons toujours la construction parce que l'école n'est pas construite. Nous pouvons toujours demander au coordinateur au niveau de Kinshasa aussi de mener toujours des démarches pour que nous ayons aussi une coordination au niveau de la province. Parce qu'une fois avoir une coordination, ça va nous faciliter aussi de bien travailler. Parce qu'actuellement, nous sommes dirigés. Oui, nous avons quelqu'un qui supervise nos activités, nos écoles dans la ville de Bukavu. Mais la sous-division aussi qui ne cesse toujours aussi de nous attaquer, de nous bousculer. Alors vous devez comprendre que nous nécessitons, nous méritons quand même une coordination au niveau de Bukavu. Et il y a les arrêtés que nous avons jusque-là qui ne sont pas aussi fonctionnels. Manque de moyens, nous pouvons toujours solliciter les moyens aux cassésistes qui nous suivent par-ci, par-là, de nous venir aussi en aide. Merci beaucoup. Il y a la fondation, hein? Il y a la fondation au sein de l'église. C'est une grande fondation qui a été mise sur pied par les autorités de l'église. Est-ce que vous avez une demande à la fondation du prophète d'isoler l'impungu à Fidoussoa, Isaac, la fondation qui est opérationnelle maintenant, la fondation qui est en train de mener beaucoup de plaidoyers, qui fait des œuvres ici en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que vous demandez au patron de la fondation du prophète d'Isolele? Merci beaucoup. Au niveau de la fondation qui est chapeautée par son éminence, le premier souverain pontife, c'est lui qui gère actuellement l'église. Oui. Comme le prophète de l'éternel, paix à son âme, son éminence d'Isolele Mpongwa n'a cessé alors de jeter un coup d'œil ici à l'est. Et nous autres, nous pouvons toujours vraiment demander à notre fondation de jeter un coup d'œil ici à l'est,
en général dans la province du Sud-Kivu et en particulier dans la paroisse de Chiriri, la paroisse qui est chapeautée par l'apôtre et Moutoumoua Maroï Didier, le chef de paroisse, et l'apôtre chef de paroisse à jouer, Mongane Louchaïr et Jean-Claude. Vraiment, nous pouvons vraiment demander à notre fondation vraiment de nous venir en aide, de nous construire, de nous donner même 6 bonnes salles de classe. Vraiment, ça peut donner l'image de l'Ebenem dans notre paroisse et pourquoi pas dans la commune de Bagira. Merci beaucoup. C'est déjà un SOS lancé à la fondation. Je sais qu'ils nous suivent ici en direct. Ils nous suivent très bien. Ils ont très bien compris. Et nous avons l'espoir qu'ils vont répondre favorablement parce que la chaîne Kikas Pro TV est là. Et là seulement pour relater les difficultés qu'il y a au sein de l'église, pour vous faire vivre des événements très spéciaux, tout ce qui se passe au sein de l'église. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous donner vos impressions? Est-ce qu'il y a des remerciements pour la chaîne, pour la présence de la chaîne Kikas Pro TV? Qu'est-ce que vous dites au patron de la chaîne Kikas Pro TV, aux journalistes qui sont présents avec vous ici, qui sont venus juste pour s'enquérir de la situation de l'école? Vraiment, nous disons grand merci aux journalistes de Kikas TV, Pro TV. Nous disons grand merci beaucoup d'avoir d'abord pensé à nous. Parce que je pense que l'épée de la promesse, c'est la première. Si peut-être il va aussi aller par-ci, par-là, mais il vient de commencer d'abord chez nous. Nous disons vraiment grand merci, grand merci, grand merci. Nous trouvons que c'est un journaliste aussi très jeune, très, très, très jeune vraiment. Et vous devez comprendre que le pays a besoin de la jeunesse, parce que la jeunesse a encore le souffle, il y a encore le courage, il y a encore l'intelligence. Vraiment, nous disons grand, 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 grand merci vraiment. Nous manquons même quoi dire parce qu'on ne s'y attendait même pas, mais nous disons quand même beaucoup merci, 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 courage et merci encore. Messieurs les directeurs, nous vous remercions. Vraiment, nous vous remercions aussi, merci. Nous continuons avec notre série de questions et vous voyez ici présent, nous avons le directeur adjoint de l'école primaire de La Promesse qui va pouvoir se présenter ici au micro de la chaîne Kikas Pro TV. Monsieur le directeur adjoint, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je porte le nom de Kalembu Mongane Christian. Je suis le directeur adjoint de l'épée de La Promesse, comme vous venez de le dire tantôt. Merci beaucoup, messieurs les directeurs. Nous sommes vraiment très ravis de votre présence ici devant la caméra de la chaîne Kikas Pro TV. Alors, est-ce que vous êtes chargé de la pédagogie? C'est ce que j'ai entendu. Vous êtes chargé de la pédagogie au sein du personnel de l'épée de la promesse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous trouvez les enseignants, la qualité de vos enseignants sur le plan pédagogique? Comment vous les qualifiez? Comment ils sont? Merci pour la question, messieurs les journalistes. Mais par rapport au niveau des enseignants, il y a nul doute. Je peux vous dire que nous avons des enseignants très bien formés, des enseignants issus de bonnes mains, les enseignants qui sont pensés par les mains, qui soient vraiment très bien. Nous avons des enseignants qui nous donnent un enseignement de qualité et les enseignants qui suivent régulièrement des séances de Cernafor pour leur propre intérêt professionnel. Très bien, merci beaucoup. Vous parlez des enseignants très bien qualifiés, merci beaucoup. Ça, c'est très important d'avoir des enseignants bien formés. Vous êtes chargé de la pédagogie. En tout cas, je suis sûr que ce dont vous nous parlez là, c'est très clair parce que vous assistez très bien chaque enseignant dans sa propre salle de classe. Alors, est-ce que vous avez vraiment des manuels suffisants? Parce que pour avoir un enseignant qualifié aussi ne peut pas enseigner sans manuel. Est-ce que vous avez vraiment des manuels suffisants pour la meilleure transmission des cours ici au sein de l'école? En rapport avec le salaire, ouais. La constitution de notre pays le prévoit. Un fonctionnaire public de l'État doit avoir un salaire à même de nouer les deux bouts de mois. Mais le nôtre, il est plus dérisoire, au point qu'il ne parvient même plus à satisfaire à tous nos besoins primaires. Et donc les salaires,
pour ne pas même tergiverser ni passer par les dos de la cuillère, je vous dis que notre salaire, il est dérisoire. Mais vous œuvrez dans la ville, moi, j'ai entendu parler, j'entends souvent parler à la radio que les enseignants qui œuvrent dans la ville ne sont pas payés comme ceux qui œuvrent à l'intérieur. Mais comment vous nous dites que les salaires ne vous suffisent pas, monsieur le directeur ? Laissez-moi saluer cette question, c'est une question à laquelle je m'attendais. Ouais. Les salaires des enseignants est dérisoire. L'Épée de la Promesse est une école qui œuvre dans la commune de Bagira, une des trois communes de la ville de Bukavu. Ouais. Mais, chose étonnante, les enseignants sont payés comme œuvrants au territoire. Ah bon? Donc, il y a un écart d'à peu près 150 000 francs par rapport aux enseignants qui œuvrent dans la ville. C'est quelque chose de très fâcheux, c'est quelque chose qui apporte vraiment... quelque chose de courroux à l'intérieur de nos enseignants. Ils ne sont pas motivés comme ceux œuvrant dans la ville. Or, physiquement, géographiquement, l'Épée de la Promesse est située dans la ville de Bukavu. Mais chose qui fâche, les enseignants sont payés comme œuvrants au territoire. Merci beaucoup. Ce que vous dites là-bas, vraiment, je crois que je sais très bien que le coordinateur national de nos écoles est en train de vous suivre très bien. Il est en train de vous suivre en direct sur la chaîne Kikas Pro TV. Alors, quelle est votre demande selon que vous puissiez demander au coordinateur? Comment on pouvait lui demander, notamment pour son implication pour la mise en œuvre effective du paiement du personnel de l'Épée de la Promesse comme sont payés d'autres de la ville, comme vous l'avez dit? La première demande, c'est de solliciter à toutes les autorités de nos écoles de procéder aux descentes sur terrain. Qu'ils arrivent sur terrain, qu'ils s'enquérissent de la situation, de toutes les situations de nos écoles. Parce que si nous on parle, ils vont prendre comme de simples historiettes, mais quand ils sont eux-mêmes sur terrain, ils vont palper du doigt les réalités qu'il y a sur terrain. Ça, c'est la première demande, qui est descente sur terrain. La deuxième demande, c'est de solliciter leur implication sur tous les plans, qu'ils mènent de plaidoyer partout où ils peuvent passer, aux autorités politico-administratives, pour que les situations de nos écoles soient purement et simplement décantées. Que les salaires de nos enseignants soient réajustés comme ceux œuvrant dans la ville. Que l'école soit construite, parce que l'école n'est pas construite, les enfants étudient dans des conditions les plus moroses, les uns étudient même les sols, sous le soleil, avec tout ce que cela peut apporter comme conséquences néfastes, de manière psychologique, de manière sur toutes les dimensions, ça d'impact. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je sais très bien que les autorités de l'église vous ont très, très bien suivi. Ils sont en train de vous suivre en direct. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à la présence de la chaîne Kikas Pro TV ici au sein de l'école Épée de la Promesse? Vous allez constater que sur mes lèvres, il y a sourire. Ouais. Je souris parce que je vois une grande famille, la famille Kikas Pro TV, qui a l'intention d'expulser, l'intention de propager les réalités de l'Épée de la Promesse dans toute la République démocratique du Congo et dans le monde entier. C'est pour moi vraiment une impression très positive. Et la demande à la grande famille Kikas Pro TV, c'est de ne ménager aucun effort, de faire en sorte que les réalités, peu importe les dimensions de l'Épée de la Promesse, soient expulsées partout et que les bailleurs des fonds en profitent. Parce que nous savons que l'Ebenem est une grande église qui a des grands patrons, des richards, qui a des personnes de bonne volonté. Et à partir de ceci, nous profitons l'occasion de leur demander de l'aide. L'école a besoin de l'aide, l'école a besoin des assistances de ces gens pour qu'elle soit construite. Parce que nous formons des futurs prédicateurs, des futurs apôtres, nous formons des futurs serviteurs de Dieu, mais qui l'étudient dans de mauvaises conditions. Ça ne fait ni la fierté de l'église, moins encore la fierté de l'Ebenem et encore la fierté de notre Seigneur éternel Yahweh que nous prêchons. Messieurs les directeurs adjoints, la chaîne Kikas Pro TV vraiment est très impressionnée et vous remercie pour avoir répondu à toutes nos questions. C'est l'Épée de la Promesse qui vous remercie. Merci. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous saluons la présence de
du conseiller des écoles de l'EBNM ici, du conseiller de cette grande école, vraiment le révérend apôtre Mongane qui est ici parmi nous. Alors nous allons lui tendre le micro, vraiment nous allons en profiter, nous allons lui tendre le micro. Cher père, vous pouvez un peu vous exprimer avec grand respect. Nous pouvons quand même recueillir vos impressions par rapport à l'activité qui s'est passée ici. Papa, kwa jina la Bwana Yahweh, amani. Amani. Ndio kwa jina la Bwana Yahweh, papa. Ulifika hapa leo kuasiste ku activité yenye ilifanyika hapa na banafunzi ya EP de la Promesse. Vraiment papa, tunafurahi sana ku présence yako hapa. Ndio maana tuna tulipenda tusikie ma impression zako par rapport na kazi gisi inaendelea hapa kwa masomo. Bien, merci. Quand j'ai su que le journaliste Kika Sport TV sera avec nous, et je me suis senti aussi heureux d'accompagner les corps professoral et les enfants. Et aussi suivre les différentes interventions qu'ils ont présenté à tout un chacun qui pourra suivre la vidéo de tout ce qui se passe ici et aussi la situation de notre école. Mais en attendant les interventions qui se sont posées ici, il y a certaines préoccupations qui n'ont pas été évoquées. Oui, notamment. Notamment les élèves qui étudient sur des planchers. Vous savez, si l'école est debout aujourd'hui, il y avait l'intervention de tout un chacun qui avait amené un stuc d'arbre et on a constitué une chose là avec dalle, un plancher en bois. Et quand 80 élèves, 40, 50 se place au-dessus d'un plancher en bois, il y a déjà un danger qui guette les enfants. Parce que, comme vous le savez, le bois, après 2 ans, d'ailleurs 2 ans c'est trop, il y a déjà pourriture sous sol. Et l'école peut s'écrouler d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que quand je vous ai entendu les enseignants parler de la réhabilitation, moi, je n'ai pas été d'accord. Parce qu'on réhabilite quelque chose qui est déjà construite. Mais l'école, elle est là telle qu'elle est, comme vous l'aviez vu, monsieur le journaliste. C'est un danger. Un danger pour les enfants. Le prophète d'Isolélé, Pungwa Fidouso Isaac, nous a doté de la parcelle. Je dirais encore une fois que son âme repose en paix. Mais quand il nous a doté de la parcelle, ça a été conçu pour l'église seulement, le temple seulement. On ne savait pas, on ne s'est pas rendu compte qu'un jour, il y aura une école ici. Et maintenant, avec le poumonnement du révérend provincial, révérend apôtre provincial, qui a toujours songé à faire un petit geste là, de social, il a demandé à ce que nous puissions avoir une école ici. Et l'école, on l'avait construite, mais pas de parcelle. D'ailleurs, la parcelle où les enfants font la cour, c'est louable, je pense. On paye $10 par mois pour que les enfants se récréent devant la salle. Donc, nous avons nos voisins qui nous environnent ici et qui veulent, si nous avions des moyens, de les chasser, d'acheter. Oui. Mais nous n'avons pas de moyens. C'est pourquoi tout cela, de bonnes volontés qui vont suivre la vidéo, vraiment qu'ils nous aident. Qu'ils nous aident à tel point que nous puissions avoir une heure là, une surface convenable qui peut contenir et le temple et les écoles. Merci beaucoup, cher tendre père. Vraiment, vous avez très très bien martelé sur de différentes questions qui ont été posées
aux camarades qui ont précédé, vraiment, nous vous remercions, papa, nous vous remercions, nous continuons à vous remercier pour l'accompagnement, pour l'appui aussi, pour l'émergence de l'école primaire de la Promesse, et en particulier d'autres écoles de l'Ebenem en général, ici dans la province du Sud Kivu. Mais papa, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités sur le plan national pour qu'ils puissent voir, ils puissent un peu réagir pour l'évolution de l'école? Merci beaucoup pour la question. J'interpelle non seulement la hiérarchie nationale, mais aussi les bienfaiteurs, même sur le plan international, qui pourraient nous lire ou nous suivre sur la vidéo qui est en train d'être prise à cette heure, de nous venir vraiment en aide, de songer à cette petite paroisse qui n'est pas directement dans la ville, mais nous sommes aux environs de la ville. Parce que quand vous aviez évoqué le problème de la poussière, dans le centre-ville, il n'y a pas de poussière. C'est nous qui sommes aux environs de la ville, c'est nous qui souffrons de la poussière. Et pendant la pluie aussi, nous souffrons aussi de la boue. Et maintenant, nous demandons à ce que la descente que Kikas Pro TV a fait à la paroisse de Tiriri, l'école et aussi le temple. Merci beaucoup, papa. Mais seulement, oui. Le temple, quand même, ça va un peu. Oui. Avec les temples, c'est quand même présentable. Mais les bâtiments de l'école, oui. Vraiment, les infrastructures, ça ne va pas. Oui. De l'école, ça ne va pas. Oui, oui. Ok, bon, bien, merci. Merci beaucoup, papa. Vraiment. Je dirais simplement à Kikas Pro TV, oui. Je ne manquerai pas de remercier Kikas Pro TV, oui. De ce qu'il a entrepris, de faire un tour ici chez nous, que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Mais nous tendons le bras ouvert à la prochaine, quand ils auront le temps, de nous venir encore une fois nous saluer, nous assister, quel que soit par quelle mesure ou quel moyen. Nous disons merci. Merci beaucoup, papa. Vraiment, Tuna Shukuru Sana, la chaîne Kikas Pro TV vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Agissant Tisana, c'est moi qui le remercie. Merci. Et je le souhaite, quand ils pourront rentrer chez eux, vraiment que l'Éternel les accompagne dans tout ce qu'ils entreprennent dans la vie. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, c'est avec ce message de bénédiction que nous venons de conclure cette activité qui s'est déroulée ici au sein de l'école primaire de La Promesse, une école conventionnée de l'église Bon Nouveau Message KCC située ici dans la ville de Bukavu, précisément dans la commune de Bagira. Vraiment, nous vous demandons de continuer à suivre nos émissions, continuer à suivre toutes les activités qui se passent sur la chaîne Kikas Pro TV. Nous vous demandons aussi de mettre la vidéo, commenter, abonnez-vous si vous n'êtes pas jusque-là abonné, et ça nous fera du bien. Nous vous remercions pour votre attachement à la chaîne Kikas Pro TV. Kikas Pro TV.